tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlogmas. Donc là ce matin on a dormi, on n'en pouvait plus, on était hyper crevés. Les grèves continuent, j'ai cours cet après-midi, sauf que je ne sais pas si je vais pouvoir y aller vu que je n'ai pas de bus pour y aller, je n'ai rien. Vu que je suis à Villejuif, je n'ai pas de Vélib, je n'ai pas de trottinette, je n'ai rien du tout. Et pour aller dans Paris, il y a au moins une heure de marche. Donc j'ai préparé un petit déjeuner de qualité pour une personne de qualité. Donc je me suis fait des petits pains comme ceci. Des petits pains, vous savez les petits pains qu'on a à la cantine là. Je me suis fait ça. J'ai pris donc du beurre et j'ai pris les deux petites confitures qui me tentaient le plus. C'était framboise et litchi et abricot et mangue. J'ai trop envie de tester avec un petit jus d'orange. Donc voilà, on va manger tout ça. Et puis bah, c'est pas... Je regarde une vidéo sur YouTube, le monde de Salomé, c'est vlog déco, changement dans le salon, je n'avais pas vu. Je suis en train de regarder ça. Hop. Mais en fait, je suis pas sûre. Les quelques produits que j'ai reçus de la part de YesStyle. Il y en a un que j'arrête pas de mettre, il est génial. D'autres j'ai testé 3-4 jours, donc je peux pas vraiment vous donner un avis constructif. Je les teste généralement pendant 2 semaines et après je vous donne mon avis. Mais il y a plein de belles marques que beaucoup de youtubeuses ont recommandé, donc je suis hyper contente de pouvoir les essayer. Alors tout d'abord déjà, bon ça je vous l'ai déjà montré, mais c'est ce que je mets tous les matins et tous les soirs, donc ça j'utilise cette petite lotion matin et soir pour mettre sur ma peau, ça m'enlève toutes les impuretés etc. Donc c'était ce que j'avais montré la dernière fois, c'est au bambou, vraiment génial, j'adore. Mais aussi cette petite brume, ça fait quand même 2 mois que je la mets matin et soir, ça ne se vide pas, ça dure très longtemps, c'est la marque Claire's. Donc c'est cette petite marque là. Et en fait ce qui est bien c'est qu'ils m'ont envoyé ça qui est dans la même marque. Déjà que j'adore la brume. Et vous n'imaginez même pas à quel point j'adore ce produit. Il est génial. Donc il est vraiment bien. J'aime bien ce forme de pipette. J'adore ces pipettes là. Et vous pouvez voir qu'elle est hyper longue la pipette. Donc j'en applique matin et soir de ça sur le visage. Donc j'en applique quand même pas mal. Et pourtant ça ne se vide pas. Je sais pas si vous arrivez à voir. Je l'ai un tout petit peu vidé, mais ça met du temps à se vider, c'est un truc de fou. Pourtant, ça fait une semaine et demie que j'utilise. Donc, je vais vous présenter ce petit produit. Donc, c'est un produit cruelty-free qui est vegan. Donc, ça, c'est super bien. On en demande ce genre de produit. Ça permet d'hydrater la peau et d'avoir un effet anti-âge. YesStyle m'a envoyé pas mal de trucs anti-âge. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils ont vu ma bébérie la dernière fois. Ils se sont dit, oh là là, faut qu'on lui envoie plein de... plein de produits anti-âge, mais j'ai plein de produits anti-âge et hydratants. Donc ça a un effet anti-âge, ça régénère vachement la peau et c'est fait à base d'huile, d'huile d'eau, de feuilles de thé vert. Il y a de l'extrait de riz, il y a l'extrait de varech, donc ça permet vraiment d'hydrater au maximum ta peau. Donc déjà que ça t'hydrate la peau. Ça t'hydrate la peau, mais alors avec ça les gars, c'est génial. Je sais pas si vous avez remarqué, mais déjà je mets plus trop de fond de teint, j'en mets occasionnellement. Mais c'est vrai que je trouve que ma peau, elle respire mieux. Je pense que ma peau était déshydratée, que j'hydratais pas trop assez avec toutes les crèmes que j'avais. Et je trouve qu'avec ces produits là, ces 3 produits, matin et soir... Franchement, j'ai vu une nette amélioration de ma peau, de mon grain de peau. C'est beaucoup plus rebondi, beaucoup plus... Enfin, ma peau est beaucoup plus fine. Je sais pas si vous arrivez à voir ce que je veux dire. Mais c'est vraiment génial. Ces produits sont géniaux. Je n'ai vraiment rien à dire sur... ces produits à part qu'ils fonctionnent vraiment bien. Donc je vous mettrai bien évidemment les liens en barre d'infos. C'est génial, je vous ai jamais dit dans mes vidéos, mais j'ai toujours un code promo pour vous de chez YesStyle. Je vous le mettrai juste ici, le code promo. Ça vaut vachement le coup. C'est des produits qui vous durent dans le temps. Moi je vous conseille à 1000% déjà le tonique pour essayer, pour que vous voyez un peu ce que propose YesStyle comme qualité de produit. Ensuite ils m'ont envoyé pas mal de petits produits pour démaquiller la peau. Donc j'ai plus beaucoup de lotion de chez, comment ça s'appelle, Bioderma, j'en ai plus beaucoup. Donc je la finis et dès que je l'ai fini, bah, je pourrai tester ces produits là. Donc je ne les ai pas encore testés. Je vous montre ces 2 produits-ci. Donc ça c'est la marque Agatha. J'en ai vachement entendu parler par Lodos Makeup. Elle avait dit que c'était une excellente marque etc. Donc je suis trop contente de pouvoir recevoir ce genre de produit. Donc je vous montre. Donc c'est avec un petit chien, je sais pas si vous allez arriver à voir. C'est un baume solide, donc c'est... Et après, dès que tu l'appliques sur la peau, et ben ça te démaquille en profondeur ton maquillage, etc.
sans irriter, etc. Donc c'est une bonne alternative au coton, parce que moi j'utilise vachement de coton pour me démaquiller. Des fois j'utilise les huiles pour dans la douche, mais quand je veux pas me laver les cheveux, quand je veux pas me les mouiller, c'est un peu galère d'utiliser ça. Donc je prends un coton après pour bien nettoyer mes yeux, etc. Parce que j'ai toujours des résidus de mascara. J'ai ensuite donc reçu, c'est un peu la même chose, c'est un démaquillant de la marque Purito. Donc j'adore ce genre de flacon, ça fait très... très salle de bain de luxe, tu vois, genre c'est comme si t'arrivais dans un hôtel quand t'avais ces produits là. Pareil hein, c'est une huile végétale là cette fois-ci avec 5 huiles qui permettent de bien hydrater la peau tout en démaquillant, donc ça c'est bien, ça n'irrite pas ta peau. Ils m'ont envoyé aussi ce produit-ci, donc ça s'appelle Ampoule et dessus il y a marqué Santella. Santella, je sais pas si vous connaissez cet ingrédient-là, ça s'appelle l'herbe du tigre en français, enfin moi je connais plus sous ce nom-là. C'est une herbe en fait médicinale qui va te permettre de guérir la lèpre. Moi je la connais pour guérir ça, mais surtout ça permet d'adoucir tout ce qui est démangeaison, brûlure, et ça cicatrise plus facilement. Je suis super contente de pouvoir voir cette petite herbe là dedans dans un flacon pour que tu puisses mettre sur ta peau si t'as des démangeaisons. Moi ça m'arrive souvent, des démangeaisons, des cicatrices, etc. J'en ai un peu partout à cause de l'acné, donc j'ai envie de tester ça pendant... j'ai envie de le vider ce flacon, j'ai envie de tout mettre sur mon visage pour voir si ça fonctionne bien sur la peau. Et puis je m'intéresse aux produits coréens, et bien je vois plein de marques que j'ai envie de tester et je viens de voir qu'ils m'ont envoyé cette gamme là. Donc je vous présente ces petits produits-ci. Donc dedans, là de ce que je vois, c'est des masques, c'est des sheet masks, donc c'est des masques en tissu. Ah, il y a aussi de la Santella, enfin il y a aussi de l'herbe du tigre, donc je suis hyper contente. Ensuite j'ai une crème, voilà, c'est un écran solaire en fait. Il est trop mignon, il est trop beau, je sais pas si vous allez voir quelque chose avec la lumière. Et j'ai un sérum, donc il se présente comme ceci, enfin vous voyez pas grand chose avec la lumière. Donc ça se présente comme ça, c'est un packaging assez simple. Très bonne marque sur YesStyle. Merci beaucoup de m'avoir envoyé tout ça, ça me touche vraiment beaucoup. Puis voilà, merci beaucoup. Donc là en fait ce que j'ai envie de faire, c'est de retirer les affiches des Aigneaux et en remplacer. Parce que là ça fait vraiment trop été. Donc je vais faire ça, je vais regarder ce que j'ai comme affiche. Bonjour Moussa. Qu'est-ce que t'es beau. Voilà, je viens donc de prendre ces petites affiches. J'espère qu'elles ne sont pas abîmées. Je vais mettre celui-là qui fait beaucoup plus hivernal. Oups. Voilà. Ouais, si vous allez arriver à bien avoir, donc je sais pas si ça va trop ensemble ou pas. J'avais des affiches qui allaient avec ça en fait, mais j'avais pas envie de les remettre. J'avais envie de changer et mettre ceux que j'avais pas pu mettre la dernière fois. Il y a celui-ci qui est vraiment, mais c'est vraiment, je suis en amour devant ce tableau. Cette affiche elle est vraiment magnifique, j'adore l'effet avec les fleurs et tout, le contraste, tout, j'adore. Et celle-ci aussi je l'aime d'amour. Elle est trop, j'adore les couleurs, c'est vraiment magnifique. J'aurais bien aimé acheter une grande affiche qui va mieux avec ces deux tableaux, mais j'avais que ça, qui faisait un peu Noël et hivernal, donc j'aime beaucoup aussi cette affiche. C'est assez joli, assez renversant on va dire. Au moins ça change hein, Juguette. Bah oui, ça fait du bien de changer. Donc je vais mettre ces affiches là dans le petit rouleau, je vais remettre ça sur le balcon, enfin dans mon petit armoire sur le balcon. Normalement là je vais en cours, là donc c'est annulé. Demain ça va être la merde hein, pour aller au boulot. Hein. Demander à ma soeur de m'amener au boulot samedi dimanche. Parce que c'est... je pourrais pas y aller en transport, j'ai aucun transport. Là, généralement, je vais à mon TD. Donc au lieu d'aller à mon TD, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais bosser sur mon iPad. Donc je vais faire mes cours, je vais reficher un peu, je vais regarder ce que je peux ajouter dans mes cours, etc. Tout en regardant des chaînes YouTube. J'arrive pas à bosser sans musique de fond. Donc je vais bosser mes petits cours et on se retrouve juste après. Et il fait très moche dehors, c'est une catastrophe. Il fait tout brouillard et tout comme hier, c'est... Ah, je vous ai pas offert les calendriers de l'avant. Sinon, je vous montre juste... j'ai des balles juste comme ça et je vous montre tous les produits comme ça. On fait comme ça? Allez, on fait comme ça. Alors, chez Ritual, j'ai eu ce masque que tu dois faire toi-même. Donc, tu mets dans de l'eau et ils ont mis la petite spatule avec. Je trouve ça hyper bien. J'ai jamais vu ça à Ritual, donc je suis hyper contente de pouvoir tester. J'ai reçu chez Look Fantastic ce petit crayon à lèvres. Il a l'air trop beau. Je l'ai swatché sur ma main pour... Voilà, il est comme ceci, il est un peu orangé. Il est archi beau.
hyper crémeux. Chez Origins, j'ai eu le gel hydratant énergisant non gras. Et au moins, on peut faire plus de 2 utilisations avec ça, donc ça, c'est cool. Chez Bonne Maman, fraise et groseille. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut l'utiliser plusieurs fois, parce que là, ce matin, j'ai utilisé 2 pots pour 2 tartines chacune. J'ai même pas vidé du tiers, donc ça dure quand même pas mal de temps. Donc aussi, Nuxe de la gamme Rêve de Miel. Le gel nettoyant et démaquillant au visage, il est hyper bien celui-ci. Je l'ai aussi en gel douche et il est vraiment très très bien. Et le meilleur produit du calendrier de l'Avent Sephora, c'est ce masque Panda. Il est trop beau! Donc je vais l'utiliser, ça c'est sûr. Et le masque sent hyper bon. On dirait qu'il y a des huiles essentielles à l'intérieur. Donc voilà, ah oui, je vous ai pas dit, j'ai testé le masque La Neige, le petit format que je vous ai montré. Il est tout petit, mais franchement, je pense qu'on peut l'utiliser au moins 8-9 fois. Parce que j'en ai mis sur mon visage. Ça s'est absorbé au fur et à mesure, je sentais ma peau un peu chatouillée, vous voyez. C'était hyper agréable et le lendemain matin, ma peau était vraiment toute douce. C'était génial. J'ai aussi mis le baume pour les mains de Rituals. Au début c'était un peu chelou parce que c'était vachement gras, tu vois. Je me suis dit bon, pour taper sur l'ordinateur on va éviter. Et même toucher mon téléphone, j'ai pas touché. Mais le lendemain, ma peau était vachement moins rêche, elle était plus douce. Donc très bon produit aussi de Rituals. Le baume pour les mains, je vous le conseille à 10 000%. Et le masque hydratant de nuit La Neige, il est génial. Donc là ça fait environ 2 heures que je bosse un petit peu sur mon iPad. J'ai mis à charger mon Apple Pen parce qu'il n'y avait plus de batterie. Donc j'en profite pour pouvoir emballer quelques petits cadeaux de Noël. Je vais emballer celui de mon conjoint parce que là il est parti au boulot, donc je vais en profiter. Il va être trop content. De toute façon je vais vous montrer ça le jour de Noël quand il va déballer ses cadeaux, je vais filmer ça parce que c'est des petits souvenirs pour moi en fait, de voir leur tête et de voir quand ils vont être contents et tout. Enfin, je vais prendre ma caméra le jour où ils vont ouvrir ses cadeaux. Je viens de finir de l'emballer, j'ai jamais autant galéré avec ce papier là, c'est horrible. Je pense que je vais devoir m'en acheter un autre de papier parce que cette qualité là, elle est horrible, horrible, horrible. J'ai mis au moins 20 minutes à faire un papier cadeau. Je vais pas y arriver moi cette année. Hein. Bon allez, on va continuer de bosser. Voilà en fait comment je bosse. Je vous ai montré des images en accéléré via mon iPad. Donc ça m'a pris environ 10 minutes de faire ça. Là j'ai pas eu le temps juste après mon cours de rajouter les diaporamas parce qu'elle ne les avait pas mis en ligne. Elle ne les met qu'une semaine après. Donc une semaine après je mets les diaporamas qu'elle me dit, qu'elle nous dit de mettre dans le cours, etc. Qui sont intéressants avec des schémas. Donc il est 16h35. Donc j'ai pas mal bossé sur mon ordi, j'ai pas mal attrapé mes petits cours, etc. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'ai un contrôle lundi en macro en espérant que mon... En fait le PMF est fermé, mais mes trucs de fac, enfin de TD, ils sont ouverts. Donc je peux y aller à mes TD, tu vois. Donc même si PMF est fermé, bah je vais quand même en cours. Enfin en cours, quand je dis en cours, c'est genre à mes TD. Donc la dernière fois c'était fermé. Parce qu'il y a des étudiants qui me font « Ouais mais t'es allé en cours, mais... » Tu savais que c'était fermé ou pas? En fait j'allais à mes TD, donc c'est dans un autre centre et c'était ouvert. N'empêche, ça fait quand même pas mal de temps que je n'ai pas eu 2 jours d'affilée où je suis tranquille, où je ne bosse pas trop. D'habitude, voilà, mes week-ends, j'ai
passe à bosser à Truffaut. La semaine, je suis à ma fac. Donc là, ça fait du bien de pouvoir un peu relâcher, prendre un peu de temps pour soi, de se faire des petits masques, de regarder des trucs sur YouTube et bosser un petit peu. Ça fait du bien, parce que j'ai jamais de jours off pour moi. Soit mes jours off, je me les passe à filmer pour YouTube, soit je passe à travailler. Donc voilà, je filme, mais ça fait du bien Donc voilà pour cette vidéo. Demain, ce ne sera pas un vlog, ce sera une vidéo très spéciale où je vous le présente officiellement. Ça va être le titre de ma vidéo. J'espère que vous allez l'accueillir avec beaucoup de bienveillance. Je compte sur vous, vraiment. Donc, après, je vais vous laisser. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste ici. Je vous refais. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis donc à demain pour une vidéo facecam, un prochain vlogmas. Bye bye.